Et, mais c'est une visite qui est, ma foi, bien symbolique, puisque de toutes les façons, les annonces ne sont pas à la hauteur justement des enjeux de la situation catastrophique dans laquelle se trouve la Guyane. Nous avons besoin d'argent pour développer ce territoire, pour le désenclaver, et nous n'avons pas besoin de visites symboliques ou de visites touristiques, comme on les appelle. L'autre étape d'Emmanuel Macron, ce sera de venir chez vous à Kourou, justement aujourd'hui. C'est un bon choix d'aller au centre spatial guyanais, d'aller voir le pas de tir de la fusée Ariane. Moi, c'est ce que j'assimile. C'est pour ça qu'on assimile sa visite à une visite touristique, à une visite symbolique. On en a assez de ces visites présidentielles qui sont des visites touristiques. Nous avons besoin de vraies réponses parce que notre département se trouve dans une situation de paupérisation et d'explosion qui n'est plus acceptable. Et c'est la raison pour laquelle je dis à M. Macron, montrez du respect pour la Guyane, montrez que vous voulez que la Guyane se sorte d'affaires en donnant à la Guyane ce qu'elle a en droit d'exiger de la République, à savoir de l'argent qui lui permette de développer son territoire et de le sortir de l'ornière et de l'impasse dans lesquelles, c'est vrai, le président de la CTG actuelle a beaucoup œuvré pour qu'elle réside.